compatriotes. Manabo Kambote Nabino. Je vais parler en français parce que il n'y a pas que des Congolais dans la salle. Et je crois qu'il y a même la presse étrangère, principalement belge. Et donc, pour que tout le monde me comprenne, ce serait plus juste de parler français. Et ça m'a été. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 26 novembre 2018, j'avais pris deux engagements. Le premier engagement, en tant que président de l'UDPS, était d'aller m'incliner sur la dépouille de mon prédécesseur, mon leader, mon mentor, mon conducteur, mon formateur, mon géniteur. J'étais allé lui faire une promesse. C'était celle de ramener sa dépouille au pays de ses ancêtres. Ma deuxième promesse, je vous l'avais faite à vous, chers compatriotes. Vous qui m'avez vu naître politiquement, parce que c'est ici que j'ai aiguisé mes dents politiques. C'est dans ce pays que j'ai pris mes premières fonctions politiques à la cellule de l'UDPS Leuven. C'est dans ce pays que j'ai accru ma capacité à développer la diplomatie de mon parti. Et donc, c'est dans ce pays que j'avais fait la promesse à vous, mes frères, mes sœurs, de vous ramener la victoire. Et ensuite, je suis descendu au pays. Vous connaissez la suite. Nous avons fait une campagne, dite campagne du pauvre, avec très peu de moyens, mais nous avons pu, grâce à Dieu, sillonner beaucoup de parties de la République. Au bout du compte, Dieu nous ayant fait grâce, amen, nous avons obtenu la victoire. Et donc, il n'était que normal que mes premiers pas en terre européenne soient réservés à la Belgique, mon autre Congo, le prolongement de notre Congo, la Belgique où j'ai commencé mes pas de leader politique, la Belgique où se trouve une grande partie de notre diaspora. Et donc je suis là d'abord pour vous remercier. Vous remerciez de vos prières, parce que je sais que beaucoup, Batiaki Mabolongo Nassé, vous remerciez également de votre soutien, parce que je sais que beaucoup ont veillé comme nous ce soir-là du 10 janvier 2018.
pour attendre les premiers résultats de la publication provisoire. Et ensuite, 10 jours après, pour attendre les résultats de la publication définitive par la Cour constitutionnelle. Je tiens à vous remercier chaleureusement. Merci. Et donc, je vous remercie. Le soir de la confirmation de mon élection, après le combat pour la conquête du pouvoir, un autre combat commence. Et j'ai rajouté que j'étais le président de tous les Congolais. J'étais le président des Congolais qui m'ont élu et également de ceux qui ne m'ont pas, qui n'ont pas voté pour moi. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai lancé un appel à l'unité des Congolais. Parce qu'un autre combat commence, comme je l'ai dit, le combat pour la reconstruction de notre pays. Amen. Et croyez-moi, chers compatriotes, peu importe le temps que vous prendrez pour rentrer au pays, sachez toutes et tous, là où vous êtes et dans ce que vous faites, il y aura toujours une place pour chacun d'entre vous chez nous. Et à la construction de notre pays. Il y a de la place pour tous les Congolais. Et pour le marquer davantage, mes premiers signes ont été de libéraliser l'espace politique. Et donc, j'ai pris la décision de libérer tous nos compatriotes qui étaient retenus pour X ou Y raisons politiques dans les cachots de la République. Bravo, bravo. Pour ceux qui étaient en exil, empêchés de retourner dans leur pays, tout le monde est désormais libre de retourner dans son pays.
Aujourd'hui, il n'y a plus de raison désormais à prétendre craindre le pouvoir qui est en place. Mais je ne demande pas à revenir incessamment parce que je connais les réalités de la vie à l'extérieur du pays, surtout ici en Belgique. Je connais les engagements professionnels, ce que cela signifie, et je sais que la réinsertion sociale, lorsque surtout on est à la tête d'une famille nombreuse, n'est pas assez facile. Donc prenez votre temps, chers compatriotes, mais n'oubliez pas de rentrer dans votre pays. Le Congo a besoin de vous. Nous avons plusieurs chantiers en construction. Le premier chantier, c'est celui, bien entendu, de la paix et la sécurité. Tant que un seul de nos compatriotes souffrira de manque de paix et de sécurité, je ne me sentirai jamais à l'aise. Merci. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre. Aujourd'hui, notre armée est déployée en Ituri et dans le nord Kivu principalement, dans le but d'éradiquer complètement toutes ces poches de violence, une violence d'ailleurs inhumaine et gratuite qui est administrée injustement sur nos compatriotes vivant dans ces contrées. Je n'abandonnerai pas ce combat tant que ces renégats Banyangala Katawana face à eux. Mon objectif, c'est la paix et je prends le serment ici de ramener la paix totale dans notre pays. Le deuxième objectif, le deuxième chantier, c'est celui de l'instauration d'un état de droit. Ce vœu cher à notre grand combattant, l'immortel Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous avons le devoir de continuer ce combat jusqu'à l'instauration d'un état de droit dans notre pays. Et cet état de droit doit être soutenu par une justice plus juste, une justice au-dessus de tout soupçon, une justice qui va faire son travail pour protéger les citoyens et leurs biens.
Ainsi, pouvoir dire le droit en conformité justement avec la loi. C'est ça l'état de droit que nous voulons instaurer. Et croyez-moi que là aussi, je ne ménagerai aucun effort pour y arriver. Je ne veux pas de la justice faite par le président de la République ou à la présidence de la République. Je ne suis pas un dictateur et je ne veux pas qu'on fasse de moi un dictateur. Cet état de droit nous permettra de déployer en toute confiance notre programme, et ça, ce sera le troisième chantier qui s'attaquera aux luttes, à la lutte contre les anti-valeurs. Merci. La lutte contre principalement la corruption. Ce mal qui a rongé notre pays et qui a complètement ruiné notre économie. Merci. Tant qu'il y aura des corrompus en République démocratique du Congo, le développement ne sera pas possible. Merci. Les Congolais doivent comprendre que nous devons rejeter ces pratiques et nous consacrer réellement à la bonne gouvernance en usant comme il se doit de nos potentialités et ainsi pouvoir accroître notre richesse et par là mieux la redistribuer afin de réussir la lutte que nous avons engagée contre la pauvreté. Merci. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai même un conseiller spécial chargé justement de m'aider à lutter contre la pauvreté. Merci. Dans les jours qui viennent, nous proposerons aux Congolais notre programme de lutte contre la pauvreté et vous verrez combien il est ambitieux et porteur d'espoir. Merci. L'autre chantier qui est déjà aussi en cours, c'est celui de l'éducation. Depuis le 2 septembre de cette année, dans l'enseignement fondamental, il y a désormais la gratuité. Donc, mwana Congo akozala lisusu il est traité. Po akoye ko la kotanga pe kokoma ofele. Nous poursuivrons ces efforts palier par palier pour que demain ce soit les études du secondaire et plus tard les études universitaires. Avant la fin de mon mandat, j'aimerais revoir les premiers étudiants boursiers bénéficiant de la bourse du gouvernement de la République.
Oui, cela est possible. Et nous l'avons démontré avec le peu d'argent que nous avons trouvé dans les caisses du Trésor public. Nous avons engagé un certain nombre d'actions que nous avons appelées le programme des 100 premiers jours d'urgence du président de la République. Avec ça, nous avons réussi beaucoup de choses, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres à réaliser. Mais nous avons remis en état plusieurs routes, nous en avons construit d'autres, nous avons construit des ponts, nous avons désengorgé des territoires entiers, nous avons restauré des écoles, nous avons construit des écoles, nous avons restauré des hôpitaux, nous avons construit des hôpitaux, bref, nous avons fait beaucoup de choses avec peu de moyens. Les chantiers continuent. Béton, le béton. Nous avons également le chantier de la santé. Béton. Comme je vous l'ai dit, dans mon programme, j'ai mis au cœur de ma stratégie l'homme congolais. Béton. Et donc, tout sera fait pour l'épanouissement de l'homme congolais. Son éducation, sa santé, son emploi, son bien-être, tout sera fait pour l'épanouissement du Congolais. Obtenu l'épanouissement du Congolais, que nous pourrons être sûrs maintenant de développer notre pays. Ouais. En même temps, nous nous attaquons au chantier des infrastructures. Vous savez que notre pays est en grand déficit de routes, de ponts, de voies ferrées et fluviale. Nous avons depuis quelque temps entrepris des contacts en tout genre. C'est ce qui explique d'ailleurs les nombreux déplacements que j'effectue avec des investisseurs dans plusieurs domaines pour qu'ils viennent nous aider à reconstruire notre pays. Nous avons d'énormes projets qui vont transformer la République démocratique du Congo en pays développé. L'autre chantier, comme vous le savez, c'est celui de l'énergie, l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, chers compatriotes, il y a moins de 10% de notre population qui a accès à l'eau et à l'électricité. Nous avons, depuis que nous sommes là, financé, grâce au peu que nous avons trouvé dans les caisses du Trésor, des projets de construction de puits pour l'adduction d'eau potable. Nous avons également investi dans les chantiers de réhabilitation des cabines électriques, des câbles électriques, et nous allons petit à petit
avec les investisseurs qui vont arriver, construire des micro-barrages qui vont nous permettre de développer les coins les plus reculés de la République. Merci. Nous avons également le chantier du numérique, et ça, ça va faire plaisir aux jeunes. Le numérique est une nouvelle technologie qui est bien maîtrisée par nos jeunes. Merci. Nous voulons l'amener dans l'économie de notre pays. Cela nous permettra de mieux rationaliser nos dépenses et nous permettra d'augmenter les recettes du Trésor. Et avec cela, de relancer la croissance économique et de pouvoir faire face aux défis du futur. Nous avons également le chantier, et c'est un chantier énorme, de la diversification de notre économie. Comme vous le savez, les mines, les activités minières, qui pourtant devait être un bonheur pour notre pays, sont la source de tous les malheurs du Congo et des Congolais. Nous avons donc décidé de sortir du tout minier pour aller principalement dans des domaines comme celui de l'agriculture, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit ici qu'on va construire des micro-barrages. Ils vont servir aussi à alimenter les industries agroalimentaires que nous allons construire. Nous aurons le mérite au moins de transformer ce que nous allons produire, de le distribuer à la consommation nationale, et s'il y a de l'excédent, de l'envoyer même en exportation à l'extérieur. Le Congo regorge de 80 millions d'hectares de terres arables, avec à peu près la moitié en terres irrigables, donc nous n'avons même pas besoin d'engrais. Et avec ces étendues, nous pouvons nourrir plus de 2 milliards d'humains. Donc le Congo va être une terre d'espoir pour beaucoup d'Africains. Et même au-delà de l'Afrique. Merci. Donc nous sommes sur le chantier de l'agriculture qui est un véritable Eldorado. Et ainsi, le sol congolais pourra enfin prendre sa revanche sur le sous-sol. Merci. Lequel sous-sol nous n'allons pas abandonner. C'est vrai que les mines nous ont causé beaucoup de malheurs, mais c'est surtout parce qu'il n'y avait aucune organisation sérieuse dans ce secteur. Ou plutôt, s'il y avait une organisation, on n'en avait pas tenu compte, on a préféré ruiner l'économie minière. Et donc, nous allons remettre de l'ordre en nous conformant aux lois en vigueur, en rassemblant les creuseurs que beaucoup de traders utilisent à tort pour faire du mal au cours de nos matières précieuses. Et donc, nous remettrons de l'ordre, comme c'est stratégique, je préfère me réserver et ne pas donner ici la stratégie que nous utiliserons. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons nous réapproprier l'initiative de la vente et de la rente de nos propres minerais.
que tout simplement, nous allons travailler sur la valeur ajoutée à y donner. J'en ai assez que les mines congolaises, la terre congolaise, ne servent que de terre d'extraction. Maintenant, il est temps aussi que ce soit une terre de transformation. Nous allons transformer nos matières premières, leur rajouter de la valeur et accroître notre économie par ce fait. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, voilà brossé en quelques mots les ambitions de celui qui est votre fils, votre frère, votre père, votre ami, votre compatriote. C'est l'ambition qui m'anime. Je l'ai promis, et comme vous le savez, je ne suis pas homme à promettre en vain, je le réaliserai. Merci. Je l'ai dit, je veux rendre aux Congolaises et aux Congolais leur dignité, leur fierté, merci, leur bonheur, leur joie de vivre dans un Congo uni, fort et prospère. Bobo Sanaté, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous remercie. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Merci. Merci à vous.